Salut les humains, bienvenue sur le mag. Et oui, le mag en extérieur. Entrée Rangers, à nouveau Baroque Café. Décidément, le baroque revient énormément sur le mag. Et c'est tant mieux. Donc autant leur faire un petit coup de pub. Là, je suis en compagnie d'une charmante demoiselle, Canel. Rien que le prénom est déjà... Il a un petit très goût ouais, très épicé. Et j'ai Elliot à ses côtés, qui n'est pas Peter Elliot, le dragon. Non, Elliot en personne. Et Canel du collectif. Je vous laisse le présenter. Briac le talentueux. Briac le talentueux. Alors, déjà, le nom de ce collectif, je trouve que... Il ça est super, ouais, ça me plaît, ouais. Tu peux me tutoyer. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah oui. Oui, non mais réflexe. Ah, réflexe. Je suis tout jeune. C'est vrai. Voilà. Alors, Canel. Oui. D'où vient ce nom, Briac le talentueux? Alors, on en a longuement parlé, hein, pour le nom quand même, on hésitait beaucoup, on n'avait pas trop d'idées au début. Et, quelques jours. Quelques jours. Et c'est Tim, encore. Ouais, alors, Tim, qui est un autre personnage c'est Tim, c'est de votre. C'est Tim. C'est Tim. Vice-président de l'association. Ah, voilà. Donc vous êtes une association, donc. Oui. Un collectif de. Vous êtes des artistes, vous êtes quoi? Vous faites du ciné, vous faites de la photo, vous faites quoi? On en fait rien de tout ça. Du coup, on a un dessinateur et un web designer au niveau de l'art. Après, le reste, c'est pas du tout. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le cinéma, rien à voir avec le court-métrage, puisqu'il s'agit de court-métrage. Exactement. Voilà. Alors, racontez-vous. Alors, nous, à la base, c'est vrai qu'on n'a rien à voir avec le cinéma. C'est plus une passion, entre guillemets, plus pour certains que d'autres. Mmh. Après, enfin, voilà, c'est vraiment, on avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble, quelque chose qui pouvait attirer les jeunes, je dirais, de Saint-Briac et surtout dynamiser ce côté-là de la côte d'Emeraude, quoi. Ouais. Et donc. Vraiment Saint-Briac. Vraiment Saint-Briac, hein. Pour le coup, ouais. Parce que bon, il se passe quand même beaucoup de choses à Saint-Briac, mais c'est pas souvent très jeune, je dirais. Ou assez fédérateur. Et assez fédérateur, c'est d'ailleurs l'adjectif que beaucoup de personnes ont utilisé pour décrire notre événement. Ouais. Et on était très contents parce que c'est vraiment ce qu'on cherchait. Et donc du coup, voilà, malgré le fait qu'on soit pas dans le cinéma ou les courts-métrages, etc., c'est quelque chose quand même qui nous a liés et qu'on apprend encore plus à aimer avec l'association. Et, parce qu'il y a beaucoup de monde dans notre famille, parce qu'on faut oui, savoir après, qu'on est tous voilà, cousins aussi dans l'association. Vous êtes tous cousins Excepté une personne. Mais c'est tout comme. Bon, voilà. C'est tout comme, et du coup... C'est marrant, ça. Vous savez à qui vous me faites penser? Un petit peu au groupe les Gadzooks. Je sais pas si ça vous parle. Ça me parle. Ce sont des Anglais. Moi, j'allais dire les Goonies. Non, c'est pas les Goonies. Non, ce sont les Gadzooks. Ils tournent beaucoup dans le coin. Ils font pas mal de festivals. Ils sont hyper talentueux. C'est que des frères et sœurs. Ah oui. Le groupe s'appelle Gadzooks. Et ils sont marrants parce qu'ils travaillent à la fois indépendamment. Et je fais une petite aparté comme ça, hein, musique. Parce que je les aime bien. Donc, c'est un petit coup de pub aussi pour les Gadzooks. Voilà. Donc, vous êtes des cousins. Exactement. Et cousines. Exactement. Ouais. Et cousines. Ouais. Ah, faut savoir que Canel est la cousine d'Eliott aussi. Hein. Oh. Ou l'inverse. Ouais. Serais-tu la cousine Eliott, tu es la cousine de ouais, Canel la cousine. Je ne sais pas. Alors, donc, ce collectif qui s'appelle Briac le talentueux. Alors, le talentueux, c'est un peu pédant, ça, alors, mais c'est voulu. C'est voulu, parce qu'en fait, on s'est dit que le Briac, du coup, qui est un poulpe, À 7 tentacules qui représentent les 7 arts. Oui, le 7e art. Et voilà. Non, les 7 arts. Ah, les 7 arts. C'est pas uniquement le 7e art. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est le premier événement qu'on a organisé était sur les courts-métrages. Mais l'association ne se ferme pas uniquement aux courts-métrages. Où vous m'intéressez, vous. Où que vous m'intéressez. On passera sur autre chose. Si on a du temps, si on a des financements, si on a des idées aussi. Bien sûr. Les idées, ça, je pense que ça manque pas. Non, c'est sûr, ça va encore. Mais c'est drôle parce que Théo m'a dit, donc Théo, c'est mon copain qui travaille à Saint-Briac, qu'un de ses clients avait demandé si cet hiver on fera un événement sur autre chose que les courts-métrages. Bien sûr. Why not? À voir. On pourra même en parler hors interview. Bien sûr. Si vous le souhaitez. Et donc, sinon, voilà, oui. Briac le talentueux, association loi 1901, composée de 99,99% de cousins. C'est ça. Et
un élément, bon, anarchique. Anarchique, quand elle veut, ouais. Elle peut l'être, non, je rigole. C'est pas la pire. Non. Ah, c'est pas la pire. Très bien. Très bien. Donc, l'idée, évidemment, pour vous, c'est d'organiser des événements. Là, en l'occurrence, ça a été... On va parler de ce festival, déjà, pour commencer. Bilan de ce festival, pour vous ? Super. Ah ouais. Super. On est super épanouis du résultat, des retours qu'on a eus des personnes. Enfin, on s'attendait vraiment pas à ça. De l'ampleur que ça a pris, du dynamisme qu'il y a eu. Et le mot fédérateur, comme vous avez dit tout à l'heure. Enfin, voilà, tu as dit tout à l'heure, pardon. C'est pas grave. C'est tout ce qu'on voulait et qu'on pensait possible, mais sans vraiment y croire. Et en fait, on a réussi. C'est ça. En fait, on pensait pas avoir autant de monde aussi, surtout. Ça, c'était... Puis le sourire des gens. Oui, parce que honnêtement, je n'ai vu passer que très tard l'info. Dans le journal, ouais. Alors, on a eu un premier article... Cet hiver. Mars-avril. Et on n'en avait pas eu depuis, à part le matin même, du coup... Bien sûr. Voilà. Mais après, on avait fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Après, voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas plus de monde parce qu'on ne pouvait pas. Ouais, là. Non, Alors, expliquons aux lecteurs, auditeurs du MAG. Ce festival a eu lieu à Saint-Briac-sur-Mer. À quel endroit précisément ? Au premier étage du presbytère qui pouvait contenir combien ? Une quarantaine de personnes environ ? Non, alors on nous a dit à peu près 80 personnes. 80 ? Assises et debout. Ah, quand même. Et le résultat était à 130 personnes. Ah oui ! Donc les portes, on n'avait même pas pu les fermer. Les gens regardaient dans le sens d'entrée. C'est ça. Alors du coup, en fait, on avait des gens dans l'entrée, on avait laissé la porte ouverte pour qu'ils puissent regarder, et on avait également des gens dans l'arrière-salle qui regardaient sur l'ordinateur. Oui, dans les coulisses, victime de votre succès. Exactement. On était étonnés. Selon vous, j'ai deux questions à vous poser. Je vais enchaîner tout de suite avant de perdre le fil. Selon vous, vous avez eu du succès parce que c'est un festival du court-métrage, ou si vous pensez rebondir sur un autre événement d'un autre type? Est-ce que vous pensez que vous allez fédérer autant de personnes autour de cet événement? Vous voyez la question? Parce que je pense que vous la posez aussi. Ouais, moi j'ai ma petite idée et je pense que j'en ai parlé avec mon père. Mon père m'en a parlé aussi. Et je pense que de toute façon, les courts-métrages a été la base de Briac le Talentueux. Et je pense que ce sera l'événement qui ramènera à chaque fois le plus de personnes ou le plus de personnes vraiment intéressées pour l'art, en fait, je dirais. Après, voilà, je sais pas si on part dans la musique. Ce sera différent et peut-être on a pas quelques aussi fédérateur. Idées, mais après, voilà, c'est à voir. C'est-à-dire que là, on ne savait pas si on allait avoir du monde ou ainsi de suite. Et du coup, à mon avis, c'est les mêmes questions qu'on se posera pour les prochains événements, que ce soit de la musique, du cinéma, de la photo ou autre complètement. Chose. Complètement. Et moi, j'en ai ma main à couper que ce sera toujours les gens resteront attachés au court-métrage. De toute façon, rien ne vous empêche de faire un essai. Mais on le fera de toute façon. De faire un essai sur une autre thématique. Ah, mais ça, on le fera après. À la base, en plus, les courts-métrages, les courts-métrages de Briac, on s'était dit si ça marche pas, on aura essayé. Et puis voilà. On rebondira derrière. Alors, j'ai deux questions là qui me viennent à l'esprit. Déjà, le nom du festival précisément, c'est quoi ? Les courts-métrages de Briac. Les courts-métrages de Briac, donc voilà. Deuxième question, ça y est, je l'ai perdu. Allez où la question? Je ferai une coupe. Pourquoi les courts-métrages de Briac? Oui, pourquoi les courts-métrages de Briac? Ah, il est trop fort ce Elliot. Merci. Ouf. On voulait garder toujours Briac. Enfin voilà, on veut vraiment l'instaurer, que ça devienne un emblème tout simplement, que tout le monde se réfère à Briac comme nous, on peut se référer à lui tout simplement. C'est ça. Et qu'il reste dans une icône. Bien vu. Et en parlant d'icône, je reviens à votre icône, le poulpe. Et c'est là la question me revient, celle que j'avais perdue en cours de route. Vous m'avez parlé des 7 arts. Ouais. Est-ce que vous pouvez les annoncer? En fait, on sait pas trop. C'est le problème. C'est marrant parce qu'on les a cités plusieurs fois. On les a cités au début quand on l'a fait. Mais photo, le cinéma, la cinéma, musique, la peinture. La peinture. Je les avais la dernière fois. Après, on ne sait pas. Parce que nous, pour le moment, on s'est vraiment basé sur le cinéma. On a beaucoup parlé de photos. Ouais. Beaucoup parlé de photos. Alors, pour la photo, on pourra en parler en antenne ou pas. Sachez que le MAG organise tous les 2 mois, voire tous les trimestres, un événement qui s'appelle Il y a du son dans l'image. Dans l'image, j'aime bien.
Ça vous plaît? Mais ça, ça me dit quelque chose. Oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On en est à notre troisième édition. La première a eu lieu à l'hôtel de la plage, un peu plus haut, qui est tenu par Guillaume Gauvin, qui est une personnalité à Dinard, qui connaît très bien Dinard, qui nous a ouvert ses portes. On a organisé ce premier chez lui. C'est toujours sympa, c'était une première, il nous a ouvert ses portes. Merci Guillaume, si tu nous écoutes. Le deuxième a eu lieu chez O'Carroll et Associés. Ils font de la gestion de patrimoine, en fait. D'accord. Ils ont des bureaux en rez-de-chaussée. Les locaux sont sublimes avec un bar. Le deuxième a été un vrai succès. Et on fait le troisième samedi. Je vous invite à venir si vous avez du temps. Pourquoi pas? Ça dépend à quelle heure. Alors là, ça ne sera pas autour de la photo. C'est toi, t'as ton truc samedi. Ça dépend à quelle heure. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. C'est de 20h30 à... Ah oui. Voilà. Le principe, c'est quoi? Le principe de « Il y a du son dans l'image », ça peut vous donner des idées. On invite, je ne sais pas d'annerie, 5 artistes. Là, ça sera autour des arts graphiques. Donc, peintres, etc. Arts graphiques. Trois œuvres exposées de leur choix. Chacun. Le public, interaction avec le public, comme si c'était une émission télé en fait. Le micro va tourner, les gens peuvent poser des questions aux artistes. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous fait ça? Ici et là. Et les artistes se rencontrent, certains ne se sont jamais rencontrés. Donc ils peuvent parler de leurs techniques respectives, etc. Voilà, ça c'est le principe de « Il y a du son dans l'image ». Pas mal. Hein. J'aime pas bien, mal. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et la soirée sera entrecoupée de quelques passages musicaux. Des petits concerts. Ouais, c'est vraiment deux petits entractes, deux, trois chansons, histoire de casser un peu le rythme. Et chacun apporte un petit peu quelque chose à manger, à boire. Donc c'est vraiment très convivial, la bonne franquette. Oh, c'est pas prise de tête, et tout public, tout âge. C'est ça. C'est participatif. Exactement. Oui, complètement. Comme ce qu'on a essayé de mettre en place. Pour et ouais, c'est ça. Voilà, on était fait pour se rencontrer. Faut croire, ouais. Alors, les projets. Les projets, l'année prochaine. La seconde édition déjà. La seconde édition, c'est sûr. Ça, on est sûr, on est remotivé à blog. Enfin, je dis pas qu'on était démotivé en hein, là, mais. Voilà, plein d'idées en tête. Toujours sur le court-métrage. Hein. Toujours sur le court-métrage. Événement principal. Ce sera toujours l'événement principal. Et après, ça tournera autour, quoi, les autres. D'accord. Voilà. Peut-être qu'avant cet été, vous envisagez de faire quelque chose, peut-être. Peut-être. Alors ça va être en fonction du temps qu'on va avoir. Avant l'été prochain. Ouais. Parce qu'on est aussi, bien sûr, très pris par... Oui, vous avez vos activités professionnelles. Donc, si on a le temps, on le fera avec plaisir, ça c'est sûr. D'accord. Et, en tout cas, on a quelques idées qui tournent et après, voilà, ça dépendra de... chose, mais ouais, on a quelques idées qui tournent. D'accord. Non, okay. Un peu plus grand. Non, mais après, on peut en parler. On a eu des... si tu veux, on peut en parler. Oui, bien sûr. L'idée de faire un pique-nique musical aussi. Très bien, bonne idée. À voir si c'est faisable sur la plage, si c'est faisable. Ça dépend de la météo. Ça dépend aussi de la météo, ça dépend de l'installation sonore, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Ça peut se faire en acoustique. Ça peut se faire en acoustique aussi, c'est vrai. Il n'y a pas de mais. Enfin, et, des autorisations. Enfin bref. Et voilà. Des autorisations. Voilà, mais c'est tout à fait réalisable et c'est un très bon concept. Le bruit que vous entendez derrière, c'est la machine à moudre, le café, du Baroque Café. Écoutez, c'est sur un air de Chuck Berry. Et la mouette se marre. En plus. Alors, quand même, avant de boucler cette interview, on arrive dans le laps de temps qui fait que cette interview est super. Non, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci, cher idiot. Tu peux allumer ta cigarette si tu souhaites. Je ne fume pas. Juste un site internet. Oui, tout à fait. briaclelotalentueux.fr. Très bien. Une page Facebook. briaclelotalentueux. Idem. Que vous pouvez retrouver en lien sur le mag dès l'apparition de cette interview, bien entendu, puisque vous serez en lien sur le mag. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, Canel, je te remercie. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir et ouais. Merci mal, à toi. T'as du mal avec... Ouais, j'ai dit, mais je suis toujours le genou. Je tue. Ah, pardon. Voilà. Elliot, je te remercie. Mais c'était avec plaisir. Voilà, et puis en tout cas, rendez-vous l'année prochaine, ça c'est sûr. Un dernier mot pour les auditeurs, lecteurs du mag. Bah, soyez talentueux avec nous l'année prochaine. Voilà, ça c'est bien dit. Que dire de plus? Rien du tout. Rien du tout. À bientôt les humains, on finit de siroter notre petite boisson. Au revoir.